Mesdames et messieurs, aficionados de la mode et passionnés d'Instagram, bienvenue pour un voyage unique dans l'univers de Coco Nadia. Née sous le nom de Lina Pérez dans la ville vibrante de Miami, il ne s'agit pas seulement d'une histoire, mais d'une odyssée du style, du succès et de l'expression de soi. Prenez donc vos passeports métaphoriques, car nous sommes sur le point d'embarquer pour l'incroyable voyage d'une femme qui a transformé son amour pour les bikinis en un empire de la mode. Imaginez la chaleur étouffante de l'été de Miami, le 6 juillet 1993, lorsque Lina Pérez a pris sa première inspiration. Cette beauté floridienne était loin de se douter que son histoire ne s'écrirait pas seulement sur le sable de Miami, mais aussi sur les pages glacées du monde de la mode. L'ère du numérique est arrivée et Lina, désormais connue sous le nom de Coco Nadia, a découvert que sa toile sur Instagram était devenue la fenêtre de son monde, mettant en valeur non seulement son sens impeccable de la mode, mais aussi son parcours de mannequin bikini, captivant des centaines de milliers de personnes au passage. Diplômée de l'école de la vie avec une maîtrise en sciences de la High School and College of Homeland, la carrière de Coco n'a pas suivi le chemin conventionnel. Elle a serpenté à travers les territoires inexplorés de la célébrité d'Instagram et des défilés de haute couture. L'évolution de Coco, d'une sensation Instagram à une coqueluche des défilés, est un récit de rupture des normes. Avec un clin d'œil à ses racines à Homeland, elle s'est pavanée sur les podiums, faisant tourner les têtes et redéfinissant les normes conventionnelles de la beauté. À l'ère des influenceurs, Coco Nadia s'est imposée non seulement comme une actrice, mais aussi comme une actrice qui change la donne. En collaborant avec des marques de mode emblématiques, elle est devenue une initiatrice de tendance, prouvant que l'influence n'est pas seulement une question de followers, mais qu'elle laisse une marque indélébile sur l'industrie. Parlons chiffres, pas seulement la valeur nette, mais aussi les mensurations qui font de Coco la déesse du bikini. Du haut de ses 1,80 mètres, de ses 63 kg et de ses yeux bruns captivants, elle n'est pas qu'un mannequin, c'est une œuvre d'art qui vit et respire. En conclusion de cette histoire peu conventionnelle, rappelez-vous que l'histoire de Coco Nadia ne se résume pas à la mode. Il s'agit de s'approprier son identité, de défier les normes et de faire de ses passions un héritage. Voici donc la fille de Miami qui est devenue la reine mondiale du bikini, un post Instagram à la fois. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage narratif. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour recevoir d'autres biographies non conventionnelles et de partager vos réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez élégant et n'hésitez jamais à rendre votre histoire aussi unique que celle de Coco Nadia. Au revoir !